mère qui me dit que tu vas rester, tout est fini. Bonjour. Bonjour. Mon amour, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tu m'as regardé l'heure. C'est trop tard. Vous m'avez promis d'être ici à l'heure pour dîner ensemble. Ah oui, je sais. Je suis désolé, mais ce n'était pas mon intention. J'ai dû travailler. Je suis désolé. Parce que tu travailles, vous êtes sûr? Mais bien sûr. Je crois que ça c'est pas vrai. Je sais qu'il y a une autre. Une autre? Mais c'est le même avec toi, tu jures. C'est la même jalousie injustifiée. Injustifiée? Mais c'est la même chose tous les jours. Vous dites que vous allez être ici alors, mais regardez là. Mais tu sais, dès que tu es enceinte, j'ai dû travailler plus pour les dépenses du bébé. Ah, alors c'est la faute de demain du bébé? Non, je ne crois pas. Non. Je sais qu'il y a une autre. En plus, je suis sûre que la raison qu'il y a une autre, c'est parce que moi, je suis trop grosse et très laide pour vous. Très laide? Grosse? Et qui a dit ça? Des actions? Des actions. Mes actions? Est-ce que tu es folle? Ah! Merveilleuse. Alors, moi, je suis folle. Mais non, regardez, c'est toujours le même. Vous venez ici trop tard et... Et non, je ne peux pas supporter ça. Tu sais qu'il y a donc quand même cette même histoire avec toi. Ah, mais alors, tu vas fumer ici à la maison? Bien sûr, c'est ma maison, j'habite ici. Mais le bébé aussi? Mais tu peux aller là? La maison c'est grande. Ah non, mais non. Les cigarettes, c'est dangereux. Trop dangereux pour le bébé, je ne peux pas permettre ça. Donc, je ne peux rien faire ici? Tu peux rester ici, mais si tu vas fumer, je crois que non. Donc je vais partir. Mais où? Où est-ce que tu vas? N'importe pas. N'importe pas le lieu, mais je serai meilleur qu'ici. Non. Mais Guichon, pourquoi? C'est dur. C'est le même avec elle. J'ai des problèmes chez moi et c'est pour cela que c'est une façon que j'ai de me relaxer, mais je suis désolée. C'est bien, je comprends. J'imagine que vous avez des problèmes. Oui, parce que les personnes qui fument, ils souvent ont des problèmes. Mais c'est bien, merci, c'est gentil de m'avoir écouté. Qu'est-ce que tu dis? La livre de l'auteur Arthur Rimbaud. Et avez-vous écouté de Rimbaud? Il fait des jolies histoires. Histoires, c'est drôle. Non, il fait des poésies. Quoi des poésies? Ah oui, c'est Rimbaud. Hein. Je crois qu'au baccalauréat, j'ai fait des poésies. Oui, il est vraiment un bon auteur, au niveau de poésie, je sens vraiment joli. Vous savez, j'aime la lecture, et quand j'ai lu Arthur Rimbaud, le sentiment que je connais.
Et bon, mes amis, ils ont des choses personnelles, désolé. Oh, pas de problème, c'est bien. Donc tu habites ici? Eh oui, j'habite ici parce que tu m'as dit. Et vous? Bon, j'habite... oui, aussi. Oui. Ah, quelquefois je voyage, mais à la plupart j'habite ici. C'est vrai, et est-ce que vous habitez... désolé, puis-je te tutoyer? Bon, je te tutoie déjà, tu peux le faire. Ok, et donc... Mais d'abord, je voulais savoir comment tu t'appelles. Oh non. Je m'appelle Guillaume. Guillaume? Oui. Et toi? Oui, Isabelle. Quel joli nom. Ah, c'est joli, Guillaume. Et bon, tu habites ici, j'habite ici par toute ma vie. Quel est ton nom de famille? Ah, c'est... Quoi, c'est un Mais vous habitez dans les quartiers? Oui. Et bon, je vis ici, mais je vis là parce que c'est presque ma maison et je n'avais jamais écouté de qui l'habite ici et de personne par là. Ah oui, on n'est pas avec les voisins. Oui, non. J'habitais presque. Parle avec les personnes. Oui, c'est ça. Que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible? Mais tu habites seule? Tu es célibataire? Ah, désolé, la question, tu me remontes ma robe. Bien sûr, je suis célibataire. Donc tu habites ici seul ou avec ta famille? Avec ma famille. Ah, oui. C'est bien, j'aime la famille. Et en fait, j'aime les grandes familles. J'ai une grande famille. J'ai beaucoup de sœurs et de frères. J'habite avec ma grand-mère. Donc c'est bien, mais qui sont ta famille? Bon, j'habite avec... ma mère, mon père, il est mort. Merci. Et il est mort dans la guerre, parce qu'il était soldat. Et j'ai des sœurs, des frères. Bon, ça c'est ma famille. Et la tienne? Bon, des frères, j'ai 4 frères, 3 sœurs. Mes parents, mes grands-pères, et je voulais savoir, il habite ici? Oui. Il habite ici? Tout là. Ah, et ils habitent dans la maison que tu m'as raconté, la maison grande? Oui, toute la famille habite là. Oui, c'est intéressant, peut-être je les connais, mais comme vous n'avez pas parlé, exact. Vous tous n'avez pas parlé avec les voisins. C'est possible. Et dis-moi, pourquoi tu es ici seul? Imaginez, c'est la nuit. Tu n'as pas peur? Je pense que j'étais éloignée chez moi. Si je voulais sentir l'air. Et c'est calme ici. Oui. Tu sais, c'est calme. Je peux lire comme je veux. Et donc. Tu sais quoi? J'ai vu sur la télévision aussi quelques panneaux qu'il y aura un exposé. Bon, je ne sais pas si quelqu'un tu voudras aller avec moi dans un exposé ou bien, je ne sais pas. Ça serait magnifique, pourquoi pas? Bon, je crois que c'est l'heure de partir. Et regarde le ciel, la nuit va tomber et donc je crois que c'est mieux que j'aille chez moi. Je comprends. Donc, Isabelle, attends. Le numéro de portable, tu sais pour aller à l'exposé ou
ou dîner? Pas de problème, oui, je crois que j'ai papier ici. Et voilà, c'est mon numéro. Tu peux m'appeler, tu peux me téléphoner. Sûr. Le matin. Ok, et bon, oui, mais attends, tu vois, c'est presque la nuit, et donc une fille assez belle ne peut pas aller seule. Si tu veux, je peux t'accompagner. Oui, ce sera magnifique. Merci. Okay. Et bon, raconte-moi à ta famille.